Good morning, alle Yiden. Nous sommes le mercredi 15 Adar Aleph 5776 et l'étude sera Leilu Nishmat Rivka Bat Abraham et Leilu Nishmat Shimon Ben Eliyahu. Nous étudions Baba Kama Perek Gimel Mishnah Dalet. Shne Kadarin Shayu Malchin Ze Achar Ze Nitkal Rishon Venafal Venitkal Hasheni Barishon Arishon Chayav Benizge Sheni. Une pure Mishnah du code de la route. Deux kadarim, des potiers, on le fait ça dans le mot directement, deux potiers, shayu me'alchin ze achar ze, qui marchaient l'un derrière l'autre à la queue leu. Venitka rishon venafal, le premier s'est emmêlé les pattes et est tombé par terre. Venitka la sheni barishon, et le deuxième a continué sa route sans voir que son ami était déjà allongé par terre et hop, il est tombé lui aussi dessus. Venitka la sheni barishon, et le second a trébuché sur le premier. Harishon chayav benizke sheni, le premier tombé par terre et doit dédommager les dommages qu'il causera au second. Mishnah apparemment très simple, mais en fait un petit peu plus compliqué que ça. On apprenait dans la première Mishnah du Perek Shlishi une machloquette très importante entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que Nitkal Poshea, est-ce qu'un homme qui s'en mêle les pieds et tombe par terre dans la rue, est-ce qu'il est Poshea, est-ce qu'il a une responsabilité sur ce qu'il fait ou est-ce qu'il n'a aucune responsabilité? C'est la faute à pas de chance. La halakha était comme Rabbi Yehuda qui disait, c'est la faute à pas de chance, donc Nitkal Lo Poshea, celui qui trébuche dans la chute à Rabbi, sur la voie publique, n'est pas porté responsable de son acte, de ce fait. Quand il tombe par terre, c'est pas lui qui est tombé par terre. C'est le Satan, le Yitzhara, c'est qui vous voulez, mais en tout cas pas lui. En l'occurrence, s'il tombe par terre, et que juste après quelqu'un d'autre vient derrière lui et tombe, bah c'est pas lui qui l'a fait tomber. C'est le premier qui l'a fait tomber. Lui, il est complètement anus. Il a aucune responsabilité sur son acte. De ce fait, il devrait être patour de payer. Comment ça se fait que la Mishnah nous dit qu'il est chayav de payer? Et la Gemara répond qu'en réalité, selon Rabbi Yehuda, et c'est comme ça à la halakha, il faudrait expliquer que ça signifie quoi, que Nitka la sheni barishon, que le deuxième a trébuché sur le premier. On parle uniquement si le premier est resté par terre assez longtemps pour récupérer ses esprits, essuyer ses pauvres petites larmes, et remonter, et se relever. Et donc maintenant, on va évaluer ça à 30 secondes, et après 30 secondes, ça y est, oh, il faut arrêter de pleurer par terre, il faut se relever, et hop, on reprend la vie. Si maintenant il passe ces 30 secondes supplémentaires, alors là, il devient fautif. Et dans ce cas-là, il devra payer les dommages qu'il causera au second qui trébuche sur lui. Mais par contre, dans les 30 premières secondes, alors il est complètement patour. Tout ça, c'est parce qu'on explique la Mishnah selon Rabbi Yehuda qui dit « Nitkal ». Lo Poshea, que celui qui trébuche n'a aucune faute. Selon Rabbi Meir, Nitkal Poshea, donc tu es fautif quand tu tombes par terre, et donc tu subis ensuite les conséquences qui arrivent. Mais d'après Rabbi Yehuda, ça s'appelle que tu es anus, c'est complètement sans aucune responsabilité sur l'acte, donc tu es anus, tu es pas tout. Ça, c'était pour la Mishnah. Petite précision quand même, on a parlé de 30 secondes où il récupère ses esprits et il se relève. La Gemara, il y a une discussion dans la Gemara, on va juste préciser d'abord la halakha, mais comme ça va être plus net et structuré. On va mettre un petit point important, on va le préciser, que si au bout de 20 secondes, il n'avait pas encore récupéré tous ses esprits au point de se relever, mais il était quand même capable de prévenir celui qui arrivait derrière lui et de lui dire, fais attention, je suis par terre. Est-ce que maintenant, sur ces 10 secondes, il va être responsable? Il y a une marque dans la Gemara, la halakha est tranchée comme Rabbi Yochanan qui nous dit non. Dans la mesure où tu es par terre et tu es occupé en train de ramasser tes forces pour te relever, alors on ne va pas te demander maintenant de perdre tes forces et de te concentrer à prévenir ce qui arrive derrière toi, donc tu n'es pas du tout responsable sur ceci. Voilà pour la Mishnah. On va faire le Vartenora tout de suite. Shne kadarin shayu malchin ze achar ze nitkal arishon venafal venitkal hashenim arishon arishon chayav benizke sheni. D'accord, on a repris la Mishnah. Arishon chayav benizke sheni, le premier est responsable des dommages qu'il cause au deuxième.
Alors le Batana nous précise, Vekegon Shaya Yachol Lamod Velo Amad. Attention, on parle de quoi? On parle que le premier, qui était par terre, avait eu le temps de se relever et ne s'est pas relevé. Il a préféré continuer à pleurer. Déprocher à ou dans ce cas-là, il devient responsable. Aval Loaya Yachol Lamod. Par contre, s'il ne pouvait pas encore se relever, il était complètement secoué, alors il est pas tour, d'après Rabbi Yehuda, Deha Kaimalan, Nitkal Lav Pocheaou, parce qu'on tient la racha comme Rabbi Yehuda qui nous dit Nitkal Lav Pocheaou. Voilà pour la Mishnah. Et puis, comme on a vraiment beaucoup de temps devant nous, on ne va pas entamer une deuxième Mishnah parce que de toute façon ce sera trop long, mais on va introduire une notion très importante. Ça fait déjà quelques jours que je voulais en parler. Je n'ai pas encore eu l'occasion, et puis là, c'est vraiment l'occasion parce qu'on va entrer dans des cas où ça va s'imposer de plus en plus. D'abord, une première petite précision, montrer une nafkamina, une conséquence entre la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Cette même Mishnah peut être expliquée aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir qui nous dit « Nitkal Pochea, tu es responsable quand tu tombes ». Dans ce cas, il avait expliqué la Mishnah depuis tout de suite, tu es responsable. D'accord, dès que tu tombes, parce que tu n'avais pas le droit de tomber, c'est-à-dire que tu n'avais pas le droit de tomber. Tu es responsable quand tu tombes. Adam Wad Leolam, un homme est toujours responsable de ses actes. D'après Rabbi Yehuda, il veut dire non, Nitkal Lopochea, donc tu es pas toi. Il y a une conséquence très importante entre ces deux avis. Ce sera les objets. Alors, on est en train de parler de potiers. Kadarin, ouais, des kadarines, c'est des potiers. C'est des. D'accord. Ils ont des. Ils ont donc des cruches qui se sont cassées quand elles sont tombées par terre. S'il n'a aucune intention de récupérer ces débris, mais qu'il est mafkir otam, il se défait complètement d'eux. Est-ce qu'il sera trahiav de payer si quelqu'un vient et s'écorche le pied dessus ou non? D'après Rabbi Meir, Nitkal Pochea, donc tu devais faire attention à ne pas tomber. Tu es tombé, tu es responsable. Tu as décidé de te défaire de tes débris. Malgré tout, on avait appris que Bohor, on est trahiav, même quand... Parce que par le simple fait que tu as posé un danger sur la voie publique. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, Nitkal lo Pochea, donc si tu n'es pas propriétaire, et tu n'es pas fautif sur le fait que ces débris se retrouvent par terre, puisque Nitkal la Pochea. Dans ce cas-là, si les mafkir, c'est Nefrasim, ils se défaient de leur propriété, il sera pas tour de payer. Probablement, c'est clair? Ok. Sur ça, on rajoute un petit détail. Même si d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas tour de payer, nous évoquions la Gemara qui dit qu'on doit quand même, on a quand même un chiyuv bidé shamaim. Patour midina adam vechayav bidine shamaim. Quand on a étudié la Mishnah Aleph, j'ai expliqué ça de manière, il a une responsabilité morale de rembourser. En réalité, c'est bien plus profond que ça, c'est pas une responsabilité morale, c'est une vraie responsabilité complète, totale, de dédommager. Mais sauf que c'est pas Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain, mais c'est moi par rapport à Hachem, j'ai une obligation moi de le dédommager. Lui, il n'a rien à me réclamer, moi j'ai une obligation de payer. C'est très subtil à comprendre cette notion, parce que si on part du principe que le Bet Din, le tribunal, est censé imposer aux gens de payer quand il y a une logique de payer. Donc si le Bet Din me rend pas tour de payer, ça signifie que la logique du Bet Din, la logique me dit non, je ne dois pas payer. Alors pourquoi le ciel me rend khayav de payer? Si le ciel me rend khayav de payer, pourquoi le Bet Din ne me rend pas khayav de payer? C'est une question très essentielle. Et c'est très subtil la réponse. Je vais vous la lire très rapidement. Et puis avec le temps, on reviendra dessus. Et en général, les notions un petit peu subtiles et abstraites, à force de les voir, on commence à les assimiler, même si elles ont une certaine difficulté rationnelle. La question, elle est, attention, je vais préciser un autre petit détail. Il faut complètement exclure la notion de... on aurait pu croire que non, j'ai une obligation de payer par rapport au ciel, un chiyuv bidé shamaim, parce qu'il faut être fair play, en faire un peu plus. C'est sûr que ce n'est pas la notion, parce que c'est le sujet de chayav bedin adam, patur medine adam, chayav bedin shamaim se retrouve dans plusieurs endroits dans le chasse. C'est assez vaste et flou, et une fois je me suis amusé à récolter plusieurs halachot, plusieurs lois qui découlaient de ce chiyuv, pour bien le définir. D'abord, pour bien comprendre, chiyuv bedin shamaim, ça signifie que si, par rapport au ciel, tu dois me rembourser 1000 shekels, et que tu me dis, tu sais quoi, prends 500 shekels, et moi je te dis, non, pas du tout, tu me dois 500. Sinon, tu restes un varian, et tu iras en enfer. Et ben, malgré tout, il est obligé de sortir 1000 shekels et de rembourser, c'est une première halakha. Deuxième halakha, il y a un meiri qui rapporte au nom du Rishalmi,
que quand il y a un chiyuv bideshamayim de payer, il est pasoul la edout, il est inapte à témoigner parce qu'il est considéré comme un rachat tant qu'il ne rembourse pas. Donc vous voyez que le chiyuv bideshamayim, ce n'est pas juste de la midat chassidut, d'en faire plus que ce qu'on a un devoir, mais c'est un vrai devoir. Alors donc la question revient avec toute son ampleur, si c'est un devoir, pourquoi le tribunal ne rembourse pas? La question est forte, et on va y répondre par rapport au Ran, dans les drachot Ran, dans le rachat Shoftim. Ça fait un peu peur à affronter, mais je vous le dis quand même. Il y a les fidèles lecteurs de 5 minutes éternelles le savent très bien, il y a trois sortes de mitzvot, les Edot, Chukim ou Mishpatim. On va juste comparer les Chukim et les Mishpatim, d'accord? Les Edot, on les laisse de côté. Chukim et Mishpatim, on différencie de manière générale les mitzvot qui ont une certaine logique, un ordre logique, rationnel, des mitzvot qui, attention, pas qui n'ont pas de logique, parce que toutes les mitzvot ont une logique et comment cadrer une logique, mais qui n'ont pas une logique rationnelle terrestre, d'où leur logique, leur raison est voilée. Elle dépend en fait des mitzvot du Ratzon Hashem, de toute la Kabbalah, et bien plus que ça, parce que même le Harizal et même Shlomo HaMelech même n'ont pas tout compris la Torah. Il y avait des choses qui étaient très difficilement compréhensibles. Pas du tout compréhensible même à leur niveau, mais ça signifie que la chose elle est compréhensible, sauf que l'homme n'est pas capable de la comprendre. Ouais, petite nuance. Par exemple, mélanger le lait et la viande, ou par exemple le kilaï, ne pas porter du lin et de la laine. Il n'y a aucune raison rationnelle. Maintenant, tout rationalisme se fonde sur des données admises. Donc c'est vrai, avec notre rationalisme terrestre, on n'est pas capable de comprendre ça. Mais malgré tout, alors ça c'est déjà rapporté dans les Rishonim, dans le Ramban, dans Rabbeinu Bechaye, c'est déjà des notions qui sont sûrement plus développées, j'imagine, chez les kabbalistes, dans le Harizal, qui sont en fait des notions où on mélange des règnes de Midat Adin, Midat Chesed, où le lait représente une certaine chose et la viande représente une autre chose, et le mélange des deux, ça fait qu'on mélange des Midot, et ce mélange, si on fonctionne avec un rationalisme, en considérant tout le monde, dans toute son ampleur, avec tous les mondes qu'Hachem a créés, alors on comprendra que de là-bas, c'est évident qu'il fallait interdire le lait et la viande. D'accord? C'est ce qu'on appellera les chukim. Ça signifie fonctionner avec rationalisme terrestre, on va appeler ça mishpatim, et éventuellement même edot, même si je n'ai pas tellement envie d'évoquer le sujet. Il y a une logique qu'on est capable de le démontrer, de l'expliquer même à un goy sans aucun problème, et à un juif à plus forte raison. D'accord? Ça signifie que on explique ça de manière terrestre. Mais il y a aussi la Chochma d'Hachem, avec tout ce que ça implique, tous les mondes supérieurs et tout ça, qui implique d'interdire ou de demander de faire certaines mitzvot. On ne sera pas capable de les comprendre. De manière générale, on classifie toujours, on met les Chukim d'un côté et les Mishpatim de l'autre. Genre Chukim, on ne peut pas comprendre du tout. Mishpatim, on comprend tout. Banoran nous explique que c'est un peu faux. Il y a, même dans la partie Mishpatim, il y a des détails qui vont être de l'ordre des chukim. Il y a des fois des choses qu'Hachem va nous imposer. Il va dire là tu payes et là tu payes pas. Donc c'est des mishpatim, c'est des lois de Benanam Nachavero apparemment, c'était de la pure logique terrestre, rationnelle, entre deux personnes. Et bien même sur ça, on se retrouvera dans certaines situations où il y aura des choses qu'on ne sera pas capable de comprendre. Comme par exemple, on apprendra qu'on ne sera pas tour de payer les objets dissimulés dans une meule de foin, qui n'était pas censé y être, parce que Tamoun Ba'esh Patour, ce qui est dissimulé, on n'est pas tour dans le Esh, on est dispensé de dédommager quand on cause un dommage avec le feu, ce qui n'est pas du tout compréhensible. Alors, j'ai pas le pshat, parce que moi je ne m'appelle pas le Harizal, je suis le Hari Shlita, mais on ne peut pas comprendre ça, mais c'est juste que par rapport à ce que représente le feu dans le monde, alors ça va causer que l'homme ne devra pas rembourser ce dommage. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas tour. Est-ce qu'il y aura un chiyuv bedine shamayim ou pas? Là, il y a un chazonish qui parle de ça dans le Baba Kama, de manière générale, mais ces notions subtiles. En fait, si on veut un petit peu, autant que possible, comprendre de manière rationnelle et aller dormir cette nuit, malgré la difficulté de l'idée, on va dire ça comme ça. De manière générale, Hachem nous a imposé des mitzvot par lesquels, quand on les fait, on augmente son intérêt pour sa bria, il se rapproche de nous et il nous donne toutes sortes de shefa,
de la même manière qu'Hachem a dit de mettre des tefillin de cette forme. Alors même si là-bas on va pouvoir quand même expliquer un petit peu, ouais, c'est le fait de porter l'unicité d'Hachem, de la graver sur son cœur, de la graver sur sa tête. Mais malgré tout, il y a quand même plusieurs petits détails que finalement, quand on va dire, tu sais, si ton tefillin il est devenu un peu blanc, ou si tu descends ton tefillin sur le front, c'est plus bon. Là, il n'y a plus de logique terrestre qui va pouvoir nous expliquer la raison de ce détail de la halakha. Et malgré tout, la halakha, elle est telle qu'elle. C'est comme ça que ça marche. Tu mets des tefillin, ça te rapproche d'Hachem, tu les mets mal, ça ne te rapproche pas d'Hachem, et tu ne poses pas de questions. Tu manges du halouf, il n'y a pas de raison, il ne faut pas... Ça veut dire, même si on va pouvoir trouver certaines explications, de dire oui, parce que si tu le manges, tu vas te conduire comme lui. Mais tout ça, d'accord, c'est sympathique, ça aide, c'est une part vraie de la Torah. Il y a un mitra trinour qui explique, il y a un trinour qui explique longuement la nécessité de chercher des raisons au mitzvot. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que c'est juste de le faire? Une chose de sûre, c'est que c'est des notions vraies, mais c'est pas là tout le but. La Torah ne s'arrête pas à nous écarter des aliments interdits parce qu'ils sont mauvais pour la santé ou parce qu'ils nous font développer des mauvaises midotes. Mais une raison bien plus profonde que ça, c'est Hachem qui ne s'approchera pas de nous quand on fera cette action. Et si on approche la Torah avec cette conception, alors dans ce cas-là, on comprendra pourquoi. Il y a des fois où même dans les mishpatim, dans les lois des jugements, dans les lois des différents, dans les préceptes, où il y aura, parfois, il faudra payer certaines choses et parfois, il ne faudra pas payer d'autres choses. Et la vraie réponse, ce sera Hachem veut ou Hachem ne veut pas. Autant qu'Hachem ne veut pas que tu mélanges le lait et la viande, et bien cette fois-ci, il te dira que tu ne payeras pas dans cette situation. Et c'est la même idée à nouveau que quand il y a un tour de gramma, alors on sera capable de l'interpréter, de s'habituer à la notion, ne pas la manipuler comme quelque chose d'incompréhensible. Ce sera quelque chose qui aura quand même une certaine forme, une certaine limite. Mais malgré tout, dans le fond, rationnellement, je ne sais pas si on sera capable de vraiment expliquer si finalement, Mina Shamaim, je suis chayav de payer. Pourquoi? D'un point de vue terrestre, je ne suis pas droit de payer. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain et Kol Tuv.